Allô? Allô? Ah mais attendez, j'ai pas passé... Bah alors? On enlève pas les caches qu'il y a sur les webcams, salut! Salut, bon ben on est reparti. On va faire un petit peu de Skyrim, on verra si on fait ça jusqu'à... Jusqu'à la fin ou pas, hein, on verra bien. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout. De bonnes nouvelles aujourd'hui, hein, ne serait-ce que ça, hein, voilà, hein, ça c'est bien. Allez, c'est parti, du coup. Ah, attendez. Non, c'est pas parti, parce que... À tous les coups, on gagne, et à tous les coups, le jeu ne capture pas ce qu'il faut. Et voilà, et voilà. Toi-même, tu connais, hein, toi-même, hein. Oui, voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. OBS? Voilà. Merci. Faut l'appeler en fait. Hein. Faut l'appeler. Non, mais... Attendez. Attendez. Attendez, c'est très important. Très important. Bon, eh bien, pas grave. On verra bien. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le fauve. Directement, on va arrêter. Change plus le fauve? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Que se passe-t-il? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en Skyrim? Je sais pas. On va casser des culs, déjà. Hein, ça c'est... classique. Je vais me dire, c'est le devoir, hein. C'est le devoir dans Skyrim de casser des culs. Mais sinon, plus précisément, j'en sais rien. Il y a une grosse quête à faire. Ça hurle dans mes oreilles, je suis désolé. Il y a une grosse quête à faire, et après, une fois qu'on aura fait ça, va falloir trouver d'autres quêtes. C'est un petit peu ça le souci. Donc, faut revoir Catria, l'espèce de fantôme, qui nous a dit oui, Margoulin, fait. Du coup, bon, mais on va faire. Voilà. En plus, c'est pas si loin en vrai. Pourquoi on avait été là-bas déjà? Je sais plus. Et après, il faudra se balader parce que quand on voit la map, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vu. Donc, hein, voilà. Et peut-être la guilde des voleurs aussi. Un jour, peut-être. Bon, mais allons-y. On verra bien. Je sais pas si je suis allé au bon endroit ou pas. Je sais pas. Oui, je sais pas! Voilà. Du coup, est-ce que c'était là ou c'était con? Ah, mais c'est pas là en fait. Enfin, c'est là, mais c'est pas là. Ah, mais c'est là en fait. C'était là, mais c'était pas vraiment là, mais c'était quand même là. Donc, c'est là. Bon. Là, c'est des donjons de Dwemer. Hein, donc, vous savez mon aversion pour ce genre de péripéties. Mais je le fais pour vous. D'accord? C'est pour vous. Moi, je ne prends aucun plaisir là-dedans. Aidez-moi avec cette porte, vous voulez bien? Oui, je veux bien. Oui, on vend aussi des bijoux. Ouais, donc directement des crochetés... crochetés de con. Et re... Voilà, clac clac. Là voilà. C'est tout. On prend et c'est fini. Encore merci pour votre aide. Ah bon. Ça nous en fait deux. On a fait la moitié du travail. Mais super. Je vais continuer à chercher. Mais vas-y, cherche. Moi je vais chercher aussi un petit peu dedans. À plus tard. Si je trouve pas quelques richesses. Bon voilà certaines. Mais ça me sert à rien en vrai. On va le laisser là. Hein. On va le laisser là. Vote, vote. C'est moi qui vibre. Ah oui, c'est moi qui vibre. Alors attendez. Attendez, on m'envoie un SMS super important.
Voilà, non, c'est super important. Écoutez, on demande des conseils. Oh, oh putain, j'ai cru que je l'avais piffé complet. On demande des conseils sur le café. Bon. Oh. J'ai acquis une certaine réputation. Voilà. Hein. D'ailleurs, à mon avis, d'ici. Oui. D'ici une demi-heure, une heure. Petit café, hein. Bon, ça c'était bon, fallait juste aller là, superbe. Ensuite, est-ce que vous voyez un truc qui brille? Est-ce que pas moi? D'accord. Sur une charde. Chef, tout ça, je charge dans le forge itself, you should do the same. Ouais, mais je suis censé chercher où? Moi, je veux bien, moi, il n'y a pas de souci. Encore faut-il me dire à peu près où chercher. Hein? Parce que là, on est d'accord qu'en plus, ces trucs-là, je les ai pas. Oh ouais, mais j'ai tellement... Oh là 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 là. Je crois que je trie un jour mes papiers, là. La brochure du musée. On va tout lire comme ça, si jamais... Il y a un truc qui se déclenche. Qui se déclenche, pardon. Déclenche. Bon, la confrérie noire, spoiler, on va pas le faire. Mais pourquoi j'ai un... Attendez. Ouais, la Medicare. Give us the razors. Medicare. Je map. Ah oui, ça, on sait pas où c'est. Ah si, mais attendez, il y a marqué là, où c'est? Mais ça, c'est pas juste Rivebois? Ah mais si, c'est complètement Rivebois. On va y aller là. On va y aller. Et ça, voilà. Comme ça, tout est lu. Tout est lu, tout va bien. Il y a une autre carte au trésor aussi, mais je sais pas où c'est. Par contre, Rivebois, ça je connais. Je connais. Rivebois, et c'est... Ouais, c'est dans une souche d'arbres. Ah, je me rappelle, là, ça... Ça y est. Le moulin en haut s'est mis en marche. Ça commence un peu à activer les neurones, là. Tic-tac, comme ça. On va y aller. Oh, le yinche. Il me suit encore, le chien? Arrêtez, hein. Au bout d'un moment, faut lâcher prise, hein. Ouais. Putain, c'est quoi cette... Oh là là. Eh, mais le soleil a des effets bizarres dans le jeu. C'est cette chose... Ah! C'est cette souche. Ou pas. Peut-être pas, mais c'est un truc comme ça. Faut chercher. Mais par contre, le fauve, ouais, il n'y a pas de... Pourquoi il change plus, fauve? C'est celle-ci, je crois pas. Si, peut-être. Attends. Oh putain, ah ouais, mais il y a le fort aussi que... Si, ça, on l'a trouvé, par contre. Dis-lui. Elle est où l'autre? Elle est là. Donc, oui, Rivebois. Il y a le grand pont. Il y a les deux petits ponts pour aller au niveau du moulin. Ah oui, c'est, ouais, c'est plus à gauche du... À gauche de ça, là. Donc, j'ai le jeu qui lag un peu chez moi, mais chez vous, ça bouge pas. Donc... C'est ça qui m'importe. Donc... Ouais, cette petite île, là, normalement, si on cherche un petit peu par là, peut-être cette souche, il va y avoir un trésor. Je me rappelle plus laquelle exactement, hein. Je sais pas. C'est par là, on le sait. Si on l'a déjà fait. C'est, on l'a déjà fait. Mmh.
Je m'en rappelle plus. J'ai beau l'avoir déjà fait, je m'en rappelle plus. Celle-ci peut-être. Ah, et voilà. Ouais, mais ça valait pas le coup de chercher autant. C'était un peu nul. Du coup. Mais cette quête alors, parce que si elle nous dit pas où est-ce que c'est, moi je vais pas chercher dans tout Skyrim. Le truc. Et comprends bien que moi j'ai un métier en fait. Faut que j'aille m'occuper de mes fermes et de ma mine. Parce que là, voilà. La voilà. Bon, et eh bien le temps qu'elle se décide un petit peu à nous donner des indices, on va aller faire, je pense, la... Yes, la guilde des voleurs. Ah, je vous ai dit, hein, le moulin haut, faut qu'il commence un petit peu à s'activer. Il n'y a pas beaucoup de courant en plus aujourd'hui. Voilà. Du coup, voilà. Le chargement. Ah, il faut y aller, faut mouliner aussi là. Hein? Et oui. Bon, guilde des voleurs, c'est pas compliqué. On va dans la guilde, on fait les quêtes, on est un voleur. Voilà. Jusque là, rien de... C'est une guilde, quoi. Il n'y a pas de... Hein? Vous comprenez? Bon, tout le monde sait qu'elle est ici. Elle est même plus cachée, à force. Voilà. Allez, petite sauvegarde. Il y a quand même des 2-3 guignols, là, à l'entrée, qui vont casser les couilles. Bon, ça a dû être le truc que j'ai le plus fait en jouant à Skyrim, hein, ce putain de guilde des voleurs. Voilà, donc, normalement, par ici... Putain, j'avais jamais vu ça en vrai. Bon. Ouais, donc, non, ici, il y a des mecs. C'est voilà. Pas grave. Ils nous écorcheraient vifs s'ils savaient ce que nous faisons. Vous n'avez pas mieux? Non! Tu devant ton. D'accord. Tout va bien, tu te calmes. Fais dodo. Flèche jouée meurt. Ah oui! Ah oui! Ah les mecs, hein. Ouais, il y a deux mecs là, puis après il y a deux, trois petits trucs à faire pour avancer, et puis on y est, quoi. D'accord. Et comme ça, ça sera fait. Ça fait huit fois que je le dis. Ouais, superbe. Gros piège là-dessus. Ouais, ça fait 1500 fois que je dis qu'il faut que je fasse cette guilde. Ça au moins. Ça sera fait. On pourra voler plus efficacement. On aura de quoi vendre les objets volés surtout. Ah, je croyais que c'était une main. Et par terre, j'allais dire, mais c'est dégueulasse. Le jeu est immonde. Je sais même pas s'il y a des trucs à récupérer. En vrai, il faut juste avancer, je crois. Attendez. Voilà. Ah mais bonjour monsieur en fait. Vous attendiez pas à ça, hein? Bah je m'attendais à rien du tout. Je suis quand même déçu. Ah mais il y a des pièges partout. Ah mais tu t'es pris les... Qui compte. Ah là là.
complètement demeuré. Je m'en rappelais plus de lui en vrai. Je me rappelle plus qu'il y avait un mec qui était spépugiliste là. Le PC il souffle hein. On va changer ça. On va changer ça. Ah oui mais attendez. Ce qu'on avait dit c'est que d'abord on volait à la tire. Voilà, et après on tuait les gens. Bonjour madame. Paf! Superbe cinématique. Il est beau le mur. Hein. Ça va? Vous faites une crise d'épilepsie, madame? Allez, hop, par terre. Hop, à poil! Pardon. Bégar, oui, ça j'ai vu, ça augmente un petit peu. Quelques compétences. Donc ça c'est pour repartir, hein, ça on connaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Décise la peste. Porte expert, bon allez, on va même se donner la peine de l'ouvrir. Bah. Et ça, ça revient juste ici, donc ouais, ça permet de... Voilà. De ich. Allez un peu plus vite. Superbe. Et donc là, on arrive dans la guilde des voleurs. Voilà. On va dire, oui, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ridicule. Moi, je vais leur dire, mais moi, je veux de l'argent. Ils vont me dire, mais faut faire des quêtes. Je vais faire les quêtes, ils vont me donner de l'argent. Voilà. Bonne nouvelle. Vous avez intérêt à avoir de quoi payer. C'est pas la charité ici. C'est vrai. Oui. Merci. Fiez-vous à moi, et personne ne se rendra compte de votre présence. Oh ça, ça coûte cher, en vrai. Madame, ça coûte cher, gars. Je peux pas payer, gars. J'ai cru... Vous êtes ici en tant que client? Vous êtes intéressé par un nouveau... Modifié avec deux i. Ah oui, que vous modifiez... Ouais, d'accord, ok. Mon apparent... Ah bon? Mais où le big boss? Ne cherchez pas d'ennui. On m'appelle... Pourquoi? Il vous fait rire, c'est ça? Si je fais ça et que ça marche, en vrai... Non. Désolé si j'avais l'air agressif. Oh. Mon frère dit toujours... Salut, bâton de caoutchouc. Bonjour, bienvenue. Allez, je vous offre un verre. Ah, d'accord. Je vous l'ai déjà dit. On m'appelle Funeste bon. Parce que je suis la dernière chose que vous voyez avant votre enterrement. Oui, ben oui, ben oui, mais moi aussi, hein, on m'appelle Funeste. Alors, c'est où déjà? Bon, très bien. C'est où déjà? C'est un des deux? Si vous avez envie de discuter, la cruche n'est pas le bon endroit. J'ai rien à vous dire. Ben. Pardon? Pardon? Ouais, j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu. Allez. Mais c'est qui Oui. Mais non, mais non, ça j'ai déjà lu. Vous avez intérêt? Bien sûr. Voilà. Occupez-vous de vos oignons. Bien sûr. Voilà. Occupez-vous de vos oignons et je ne demanderai pas à Fidel de vous jeter dans le niveau. Ça vous va? La dernière personne qui a contrarié Vekel a fini le crâne enfoncé. Je sais plus comment... Je sais plus comment on active les trucs. Vekel et moi sommes ensemble. Alors bats les pattes, c'est bien compris? Mais je... Oh, c'est toi. Bon. Vous avez du cran pour venir ici. On prend souvent des coups dans la souricière. Y'en a qui appellent ça de la camelote. Ouais, t'appelles ça des trésors, mais ça on sait, hein. Ça on sait. À croire que c'est... Hein. Mais merde alors. Comment pourrait-on dire? Faites vite. J'ai étudié... Je suis tombé bien bas.
Un vagabond me demande de justifier mes compétences dans les égouts d'un trou au fin fond de nulle part. Oui, mais tais-toi, on s'en branle. Je me rappelle plus comment on déclenche les quêtes. J'ai pas de souvenirs. Faut peut-être que j'aille dans la vente. Ne cherchez pas d'ennui, sinon vous allez en trouver. J'ai un trou. Il me semblait qu'il y avait juste un mec à parler, et puis on discutait, on tapait la discute. Et voilà. Mais visiblement, pas forcément. Enquêtons, hein, j'ai envie de dire. Enquêtam. Oh, regardez, il y a un piège. Voilà, superbe. Superbe. Oh là là, des rats. On aime ça, les rats. Par contre, ouais, faut que j'apprenne à viser, ça c'est le plus compliqué. Génial. Putain, il n'a même pas d'or sur lui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est peut-être... Ah oui, faut peut-être pas descendre directement dans les égouts. Peut-être parler à un mec qui dit oui, la guilde des voleurs, c'est vraiment des voleurs. Oula, j'ose pas y aller là-dedans. Non. Ah, je sais plus. Mais ça va être un truc comme ça, je pense qu'il y a quelqu'un... C'est qui lui? T'es qui toi? T'es mort. Dans le doute, t'es mort. Oh, il est pas mort. Bon, mais là, t'es mort. Voilà. Ah, faut décéder, hein, parce que ça va plus après. Hein. Par contre, rends-moi mes flèches. Ah, merci. Oh! Et regardez. Regardez un coffre. Ouais, bah voilà. Ah, bonjour monsieur. Hop! Qu'est-ce que c'était? Ah, y'a quelqu'un d'autre. Alors, comment je peux vous aider? Vie de voyou. Hop là, t'es mort. Putain, il me rend pas mes flèches. Eh non, mais oh! Voleur. C'est drôle, c'est des voleurs. Alors, à quasiment 70 en crochetage, hein. Je sais pas ce qu'on va débloquer, mais je suis pas en toi. Aïe. Arc de Dravi, on s'en branle. Hop. Oh. Ah ouais. Oh, c'est du mini-coffre. Oh, c'est trop mignon. Et je veux des mini-coffres pour mettre chez moi aussi, là. Putain, ils sont trop mignons, les mini-coffres. C'est comme des coffres, mais en petit, quoi. Voilà. Non, mais oh. Je l'avais pas vu et tout, là. Il fait un grou-grou. Qu'est-ce que c'est que ce zouf? Bonjour, monsieur. Exer d'illusion. Allez, on prend. Ça se trouve, c'est un truc qu'il fallait faire après, non? Y'a pas une quête genre. Vous pouvez me vider le truc là? Y'a des rats, c'est des graisses. Un truc comme ça? Bon, on va la forcer, hein. On va augmenter le niveau. Clac. Voilà. On va pas y aller. On n'est pas aussi faible d'esprit que ça. Ah, y'a des gens en plus, j'entends. Allure, allure. Les petits points de sauvegarde. C'est de temps jamais. Il y a des portes partout. Ah. Us. Voilà. Us. Qui est là? Ah. Il y a Anus dans son prénom. C'est rigolo. Il est bugué aussi. Ouais, t'es bien bugué là. C'est tout? Comment ça voler? Attendez, comment ça voler? Non, jamais
Donc c'est bien ce que je me disais, je crois que c'est un truc à faire plus tard ça. Détecté par qui, par quoi là? Et où? Par ici, par ici, par ici. Ah mais t'es mort en fait. Pas de... Par ici, par ici, t'es mort. Mm-hmm. Bon. Mais d'accord, j'entends non. Quelqu'un. Mais non, mais c'est dingue. Mais c'est la porte qui reste là. Mais ça, c'est à 100%, fallait le faire pour la guilde des voleurs, justement. C'est obligé. Merde. Couteau. Allez, salut. Salut, mon pote. Elle est sourde. Tant pis. Bon. Bah du coup, Oh. Je suis très dangereux. Si je viens, je vous tue. Je n'ouvrirai pas cette porte. Vous n'avez qu'à m'abandonner. Oh mais non. Si mes amis... Je n'aime pas ça. Oh non, il y a une prime. Oh merde. Mais non, mais ouvre-moi! Oh putain! Ok. Non, mais ouvre-moi! Genre, sans déconner, ouvre-moi! Putain, j'ai une prime parce que j'ai tiré sur un. Un mec au pif. Bon, mais j'ai rien à foutre là, on est d'accord. On est tous d'accord avec ça, j'ai rien à foutre là. J'ai beaucoup d'objets volés sur moi parce que, au pire. Ah oui, quand même. Ouais, bon, au pire, il me les confisque, je veux dire. Tout ce que je mérite. J'irai sur un innocent. Un innocent enfermé, en plus. Super. Mais du coup, ouais, je sais plus. Il doit y avoir un mec dehors. Oui, non, mais si, c'est ça, je crois qu'il y a un mec dehors. À peine t'arrives, il te parle de la guilde des voleurs, t'es en mode, pourquoi tu me parles, toi? Et puis finalement, je te dis que bon, peut-être pas si con ce mec. Hop. On va aller voir du coup. Allons voir. Et c'est chiant. C'est chiant, mais je suis en train de me rappeler que je crois qu'il y a un passage secret une fois que t'es dans la guilde. Pour descendre et tout ça sans passer par là, justement. Hop. Si je me souviens bien. Bon. Maintenant, faut trouver le mec qui arrive à te parler de ça. En plus, il me semble vraiment qu'il est genre à l'entrée. Et... qui te lance ça comme ça. Putain, c'est beau ici, mais ça rame. Hein. Ouf. On va y jouer en mode patate, hein, je sens. C'est lui? C'est toi? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ça peut en être lui? C'est un mec qui est par là. Ça me gratte. Pas mec, je repars là, je sais pas où. Il me semble que l'entrée est un peu cachée est par là. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Alors de l'autre côté, ouais, je crois que c'est de l'autre côté. Mais qui c'est qui parle de ça? Peut-être aller dans les tavernes. Il y a un mec. Il peut y avoir un mec qui parle de ça à un moment. Qui va lâcher un. Vous Ouh là là, la guilde des voleurs. Fait, j'espère. Que puis-je pour vous? Ah, container full of valuable. Valuable. Bougez pas, je reviens.
Vite, il est où? Il est où? Lightman! Non, j'ai pas le trouvé, c'est de la merde. Oh là 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 là. Allez, descends! Bord de ciel. Porte! Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-il là? Bon, il est où le coffre? Ça commence à me gonfler, ça. Il est derrière elle. 100%. Il est là. Clac. Ah! La richesse! Non. Non, j'ai pas volé. Par contre, ouais, d'accord. D'accord, super. Ok, pourquoi on était là à la base? Ah oui, on cherchait des mecs à qui parler. Mais non, mais là, il y a personne. C'est une vieille auberge miteuse. Sur le déclin, quasiment sur la faillite. Non, la vraie auberge, elle est là. The Bee and the Barb. Moi, je vais boire de l'eau. Si vous avez de l'or, vous êtes arrivé à bon port. Asseyez-vous donc. Habitants de Fayez, écoutez mes paroles. Le retour des dragons n'est pas qu'une simple coïncidence. Quoi? C'est un signe, vous avez un problème? Un signe que Dame Mara est mécontente. Bienvenue de votre au dard de l'abeille, monseigneur. Si l'une Posez de nos voix sont spéciales, mon habileté au combat est sans égal. N'hésitez pas. J'en fous, excusez-moi. J'ai d'autres à péter. Nous en avons parlé. Talen. Que Mara vous bénisse. Oh là là. Ne parle pas. Sûrement arriver à nous entendre. Il faut que ces gens ne parlent pas. Bon. Qu'il provoque. Il a perdu d'être là. C'est Mara mal. Tout le monde a. Il a pas l'air d'être là. Inutile de s'en servir comme excuse. Mais où est-ce qu'il peut être alors? J'ai vraiment souvenir d'un mec qui me parle à peine arrivé. Je n'ai jamais vu Miol aussi contrarié. Cette ville. Un mec style bizarre. J'ai aussi un ingrédient exotique. Je fais l'amour comme un ours. Sinon je vais aller chercher sur Google. Vos ennemis en pièces comme un géant. Pour seulement 20 pièces d'or. On va pas s'amuser à chercher pendant 30 ans. Ne prenez pas de risque. Il serait en bas, non, je crois pas. C'est con parce que là-bas ils disent que t'as besoin d'une clé et tout et en fait tu peux rentrer là. Un peu con, non? Moi je pense que c'est un peu con. Mais là de toute façon il y a personne, enfin je vais là et tout mais... Il y a son père. Juste un garde, bonjour monsieur. Ok, bon. Putain, c'est fou comment ça rame ici. Je sais pas si c'est à cause de l'eau. Ou pas. Oui, oui. Je suis un mendiant crasseux. Oui, mais on s'en... pourrait vouloir me parler. On branle d'une force. Assez dingue. Bon, allez, on va aller chercher sur le Google. Alors. Guilde des voleurs. Top. Tais-toi. Ah, c'est Brignolf. Apparemment, c'est Brignolf. Mais c'est pas genre le forgeron de Brignolf? Aujourd'hui. Non, c'est Balimune. Et où Brignolf? C'est lequel Brignolf? C'est lui? Ah, c'est lui. Tout cet or que vous trimballez, non. Je dis que vous avez de l'argent, mais que vous ne l'avez pas gagné. Oh, c'est là. Vous voulez peut-être un avant-goût? J'ai une tâche à... Et dans mon boulot, le coup de main est bien payé. C'est simple.
Je fais diversion et vous allez dérober la... Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche. Quelqu'un voudrait... Quand vous voulez y aller, prévenez-moi. Bien, attendez ma diversion et montrez-moi ce que vous avez dans le... Ok. Voilà, c'est là que ça commence. Alors, écoutez le premier lien. Voilà, la base Daisy. C'est laquelle, ma Daisy? Alors, laquelle c'est déjà? Ma Daisy. Qui me voit là? Ah, attendez, qui me voit? Bon. Ça? Je sais pas si c'était ça qu'il fallait que je vole. Allons, Rénolf. Qu'est-ce que vous voulez encore? Patience, Branche. Une opportunité de ce genre se présente rarement et j'aimerais que vous en profitiez. Vous avez déjà dit ça pour l'essence de feu follet, alors que c'était de la nirne. Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Voler l'anneau de ma Daisy, mais c'est bon. Mélanger à de l'eau. Ce n'était qu'un simple malentendu, mais je crois que cet objet. Jeune gens. Contemplez l'élixir de sang de Palmer. Oh, allez. Vous parlez des elfes des neiges. Par contre, il est genre méga mal placé en vrai. Des êtres mystiques qui peuplent les légendes. Des maîtres de la magie ancestrale. Quand il veut que je vole. Imaginez le pouvoir qui coulait dans leurs veines. Comment l'avez-vous trouvé? Cela fait des années que personne n'en a vu. Pour leur propre protection, je dois préserver l'anonymat de mes sources. Mais je vous promets. À partir du principe que je l'ai déjà volé, du coup, c'est bon. Une seule gorgée de cet élixir et tous vos souhaits se réaliseront. Des richesses infinies, vie éternelle ou encore force titanesque. Après, faut que j'en fasse quoi? Faut que j'en fasse un truc? Voilà ce qui vous attend. Combien coûte-t-il? Seulement 20 septimes d'or. Dépêchez-vous tant qu'il en reste. Il insulte les autres marchands. C'est ça que je lui ai pris? Je me rappelle plus. Ça doit être ça, c'est le seul anneau que j'ai. Espèce de... Oh! Du calme, allons, on ne pousse pas. Qu'est-ce que vous voulez encore? Patience, Branche. Je crois que c'est ça qu'il fait que je fasse ça. Ce genre se présente rarement et j'aimerais que vous en profitiez. Vous avez déjà dit ça pour l'essence de feu follet, alors que c'était de la nirne route mélangée à de l'eau. Ce n'était qu'un simple malentendu. Monte sur le truc. Je veux monter sur le toit. Jeunes gens, contemplez l'élixir de sang. Et pouvoir de chat. Oula. Des elfes. Un peu trop peut-être. En personne. Voilà. Des êtres mystiques qui peuplent les légendes. Des maîtres de la magie. Bon, j'espère que c'était ça qu'il fallait faire. Parce que la quête, elle est pas super bien indiquée quand même. Comment l'avez-vous trouvé? Pas se cacher. Cela fait des années que personne n'en a vu. Oh putain. Pour leur propre protection, je dois préserver l'anonymat de mes sources. Mais je vous promets que le produit est authentique. Une seule gorgée de cet élixir et tous vos souhaits se réaliseront. Des richesses infinies, vie éternelle ou encore force titanesque. Voilà ce qui vous attend. Bien écoutez. Seulement 20 septimes d'or. C'est pas cher. J'en prends 1000. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Faire repousser les membres tranchés. C'est exactement ce qu'il me faut. 20 pièces? Personne ne possède autant d'argent. Maîtriser de puissantes incantations magiques. Attendez, mais je viens d'acheter une mine et une ferme. Moi, j'ai de l'argent. J'achète, hein. Oui, il m'a convaincu. Vas-y. Et donc? Je serais plus que ravi de vous vendre un élixir quand j'en aurai fini ici. Eh bien. Faut que je fasse quoi? Je suis allé trop vite. Je crois que j'ai volé l'anneau trop vite. Parce que lui, il a bien l'anneau, hein. Voler l'anneau de ma Daisy. Bah ouais, mais là, je peux pas, là. Là on me voit, là il a pas d'anneau là. Comment que ça soit lui?
Il est où? Si vous recherchez les plus beaux bijoux de bord de ciel, passez donc. Je serais plus que ravi de vous vendre un. Bon voyage. Ça a bugué, non? Monsieur? Je crois que ça a bugué. Mais pourquoi faites-vous ça? Mais là, genre, personne me voit faire ça, là? C'est ridicule. Comment on fait? Ah, mais non, mais ma Daisy, il faut peut-être aller le... Ah, attendez, oui. Ça va être ça, non, en fait? Et c'était peut-être pas sur lui directement. Quoi? Non. Non, c'est pas moi. Moi? Voler des... Ah non, moi je vole rien, moi. Éloignez-vous. Ah, moi j'ai jamais rien volé. Moi. Non, non, non. Vous vous trompez. Là. Ça peut pas être moi, de toute façon j'étais pas là. Déjà. Attendez, mais qui me voit là par exemple? Je comprends pas bien. Là, qui c'est qui me voit là? Là, je suis caché là. Putain, mais c'est ouf! Oh, je comprends rien. Alors soit j'ai fait bugger la quête, soit je comprends rien du tout, mais je vais voler à lui. Hein. Je comprends rien. Ah, c'était peut-être là plutôt. Attendez, on va y arriver. On va y arriver. Ah, voilà. Ah voilà, anneau d'argent de vas-y. Ah ouais, les gold, ouais, j'ai pris vite fait. Hein. Ouais, non, parce que... Non, mais... enfin, voilà. C'est juste un emprunt, je vais lui rendre. Un jour, peut-être, je sais pas. Oh, mais non! Mais comme même. Mais en plus, c'est pas... je lui ai rien volé, je lui mets un truc dans les pieds, là. Je lui ai rien volé, madame. Hein. Il y a prescription. Ok, allez, petite sauvegarde pour éviter d'avoir offert tout ça. Et on va sauvegarder ici. Je crois que l'heure a sonné. Ah voilà. C'est comme ça. Bon. Quel on dirait que j'ai joué le temps. Et voilà. Vu la tournure qu'ont pris les choses ces derniers temps, je suis sous la... Heureusement que j'ai pris assez de vigueur. Mais peu importe. Vous avez fait le boulot avec la manière. Mieux encore, ce n'est qu'un début. Pensez être à la haute. D'accord. Le groupe que... Essayez d'arriver jusqu'où... Bah. Ah voilà, et là, faut aller et en bas. Importe. Et tais-toi. Vous avez fait le boulot avec la manière. Toute mieux la encore. Voilà, et là, faut aller en bas. Et normalement, vu qu'on a déjà tout... tout bidouillé... Mais là, ça va être grand tout droit. On va arriver comme un cheveu sur la soupe, là-bas. Ouais, c'est ça, tout le monde est déjà mort. Allez, go. C'est où? C'est là? Allez, du coup, j'ai vu machin. L'époque est révolue. Mais je vous le dis, c'est différent. Bien, bien. Je suis impressionné, l'ami. Je n'étais pas sûr de vous revoir un jour. Allez, tiens, si hop. Vous vous attendez. Bon, si vous avez fini. Ouais. J'aimerais leur faire comprendre. Tirava, réussissez ce coup et je vous. Honnêtement, par contre, je vous mets en garde. Bien.
Si vous voulez des détails sur vos cibles, alors, je suis là. Allez, bon travail. Ouais, faut reprendre, enfin faut récolter les trucs. On s'en fout. C'est quoi que je voulais voir? C'était lui là. Revenez, fiez-vous à moi. Et sneak. Personne ne se rendra compte de votre présence. Je suis à 65 de sneak et il y a aussi le lockpicking que je peux augmenter avec elle, c'est ça? Si vous avez envie de discuter, pas du tout, avec l'autre. Avec lui. Vous avez besoin de conseils? Avec elle, plutôt. Parlez à Brignolf. Moi j'ai mieux à faire. Pardon, ne madame. Cherchez pas d'ennui. Sinon vous allez en trouver. Vous avez quelque chose pour nous? Je serai là quand vous aurez terminé. Vous avez intérêt à avoir de quoi. Non, mais il y a bien quelqu'un qui entraîne. Vous avez besoin de conseils? Parlez à Brignolf. Lockpicking. Moi j'ai mieux à faire. Vekel et moi sommes ensemble. Alors pas les pattes, c'est bien compris. Ouais, cool. Il y en avait bien un qui dormait là, qui... Non? J'ai rêvé, ça y est, encore? Déjà? Revenez me... Fiez-vous à moi. Ça, moi, je montrais bien 70 quand même. Personne ne se rend compte de votre présence. Ça coûtait cher, mais au moins... En plus, j'ai 3 points à mettre, oh là là, mais attendez... Attendez, on va prendre 5 minutes, on va mettre ça. Oh, wow, qu'est-ce que... Ouais, donc ça, on a dit qu'on s'en foutait, parce que c'est quand on joue à la dague ou quoi. When you stand still for 8 seconds while sneaking in no longer search. Ouais, ça évite de se faire courser, on va dire. Pas super utile. Dodge roll, sans conner, disengage... Donc j'ai rien eu à part ça. Oh, t'es 80 après, vraiment. Oh non. Ah non, ça c'est 70. Ok, donc là ça pose un piège. Une fois que j'étais out of combat pendant au moins 5 secondes et que je reviens en combat, ça pose un piège. Mais ça peut être bien de faire des petites roulades. Ça, je vais prendre. Mais ça, je suis pas sûr de prendre par contre. Ça me dit rien. Du coup, on sneak. Ouais, lockpicking. Pour ça, j'aurais bien voulu monter 70 en lockpicking, mais il me semblait qu'il y avait quelqu'un et finalement, il y a personne. Donc, ça, c'est pas grave à la limite. Qu'est-ce qu'on a? Embûche prédateur. Une fois que je. Enfin, après, debout pendant au moins 6 secondes. Il fait 25% de dégâts de plus. Ouais, c'est genre quand tu te prépares. Je veux ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Là. Là. Voilà. Ah oui, le stagger. D'accord. Rangers. Et là, c'est quoi? Ok, là, il y a 70. Ah, ça a l'air pas mal, ça, embûche prédateur. On va mettre ça et le dernier point. Le dernier point, je sais pas. En light armor, je sais plus s'il y avait des trucs bien ou pas. Wouah. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? On tue avant d'être tué, c'est ça notre adage. Pocket, speech. À la limite, monter l'enchantement ou le. Ou un truc dans le genre. Smithing, je sais pas si j'en ai vraiment besoin de ça. Une fois que j'ai eu ça, Arcane Blacksmith, après. Ok, donc là j'ai une chance sur deux de récupérer les matériaux que j'utilise sur les Advanced Grindstone et Workbench. Ah, par contre, ça c'est bien. De choisir une spé, je pourrais même choisir Arc. Et je suis plus intéressant pour améliorer les arcs. Ça pourrait être quand même pas mal, ça. Pourrait être pas mal, ou alors enchantement. Mais enchantement, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs importants là ou pas? Genre ça. Ça, c'est pour les scrolls, on s'en fout. Ça, c'est pour ceux qui jouent au staff, on s'en fout.
Donc ça recharge un petit peu les armes. En soi, pour l'instant, on s'en fout. Et ça, c'est juste péter une Flawless Gem pour être plus intéressant au niveau enchantement. Ouais. Et après, ouais, bon, mais... Bah, ça va être intéressant, mais peut-être pas tout de suite. À la limite, je préfère, ouais... faire ça, je pense. Là, je vais dire archerie. Comme ça. Et c'est quoi ça, Iron Lore? Armor type. Ah non, weapon type, putain. From the weapon. Ouais, ouais, bon, ça, à la limite. Peut-être le moins important. Et ben c'est parti, on va quêter. Par contre, je suis que niveau 30 et ça augmente pas de beaucoup les niveaux. Enfin, les compés, ça va, ils augmentent, y'a aucun souci. Mais les niveaux. Compliqué. Et alors il est, ça va faire une heure, je pense que j'en profite pour faire une petite pause et aller me faire couler un petit café. Je vais juste voir où j'ai à faire les quêtes, mais normalement c'est là les quêtes. C'est dans Riften. Ouais c'est ça, tout est dans Riften. Bon écoutez, je laisse ça comme ça. Je vais quand même mettre le jeu en pause, on sait jamais. Je laisse ça comme ça, j'ai fait une petite pause et je reviens dans 2-3 minutes, le temps de faire un café. A toutes. Hop. Clac. Et heureux. Voilà. On va boire ça tranquillement. Alors. Tilalidalou. Putain, ça me fait vraiment chier que ça rame autant ici. Mais c'est peut-être Realistic Water. Peut-être un petit peu abusé en prenant ça. Après, en soi, il est pas sans savoir. Trop de soucis le PC à faire tourner ça. Ça reste capricieux. Skyrim, surtout la spéciale édition est toujours un peu capricieuse. Vous venez louer une... J'ai déjà dit à cet imbécile, mais regardez, j'arrive à peine à faire tourner ce trou à rat. Bien. Je ne vous donnerai pas un seul septime. Jamais. Sortez de mon auberge. J'ai dit sortez. Vous n'aurez pas la moindre pièce.
J'ai dit sortez! Vous n'aurez pas la moindre pièce! Ah, elle aurait mérité un bon point dans sa gueule, ça là, hein? Tu payes! On a dit tu payes! Sinon, bagarre. Et pourquoi faites-vous ça? Puis-je vous offrir que... Quoi? Brignolf ne se donne même plus la peine de venir en personne? Vous n'allez pas me faire payer pour ma protection? Vous vous faites des illusions. Faïez sera bientôt débarrassé de votre petite bande, croyez-moi. Ah, voilà. Vous allez le regretter. Voyons un peu. Attrapez-le! Vas-y, bagarre! Vas-y, bagarre! Pas si costaud. Bah alors? Vas-y, mais bagarre, là! Vous ferez un beau tapis, misérable cagite! Surtout que... Ouais, par contre, ouais. Il n'est pas si costaud. Justement, je suis un cagite, hein, donc... Pitié. Arrêtez. Voilà. Mon époux Berzy, ne me tue pas. Voilà, je suis un cagite, donc j'ai des compétences qui font que... à main nue, je casse des gueules, hein. Vous comprenez bien, du coup, que... Voilà. Bon, J'ai dit sortez. Bon. Vous n'aurez pas la bonne... Voilà. Ah oui, par contre, ouais, fallait peut-être pas... Mais comment on fait, alors? Parce que si elle veut pas... Si elle veut pas, comment on fait? Oh non. J'ai pas chargé la... Ok, ouais, c'était ça. Ouais, ça charge les sauvegardes rapides, c'est pour ça. Pas les sauvegardes automatiques. Ouh, j'ai eu peur, là. Alors, du coup, comment on fait? J'ai dit sortez! Vous n'aurez pas la moindre pièce! Regardez ce que vous faites! Casse la gueule, toi aussi. Bon, elle veut pas. On verra. On va voir. Parce que moi, je veux bien lui mettre un coup de pression, mais j'ai la deux shots. J'ai trop de force dans les poignets, moi, je... Ah! Comme ça, quoi. Le crochet! Du coup, c'est chaud. Bon, allez, on va aller voir l'autre. En fait, faut faire bagarre. La bagarre. Allez, fais la bagarre. Si vous voulez... Qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai déjà... Écoutez, l'or ne... Moi aussi. Vos grands mots ne me font pas peur. Bon. Je ne vous donnerai pas la moindre pièce. Ah! Je peux pas, là. Ah, mais du coup... Vous pouvez toujours demander, je peux pas faire pleuvoir des pièces d'or. En tout cas, pas dans cette partie du monde. Merde, mais du coup, j'ai chié la quête, en fait. Du coup, j'ai complètement chié la quête. Mais comment on fait, alors? Comment on fait? Parce que moi, si je mine Tatane, ça va finir en prison, encore, cette histoire-là. Un petit coup? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ah bon? Bon, et là alors? Là, je peux plus parler. Super. C'est bon, c'est bon. Et si je prends ça là? Mais là, elle est morte en fait. Et voilà. Mais du coup, c'est pas bon. Comment on fait alors? Comment on se débrouille avec ça? Je vais chercher moi-même, c'est ça? Mais là, du coup, le coffre est vide, hein, non? Svana, est-ce que cet imbécile drogué au Skouma de Niluva a payé le loyer? Est-ce qu'elle a encore trouvé une bonne excuse? Elle a dit qu'elle l'aurait bientôt. Elle travaille toujours à l'hydromellerie, donc elle va pouvoir nous payer. Pourquoi défendez-vous toujours cette femme? Dès qu'elle Désolée pour la saleté. Ah, mais bouge! De garder cet endroit propre. Soyez un peu patiente. Elle l'aura. Faites attention! Vous pouvez toujours demander, je peux pas faire pleuvoir des pièces. Bon, on va revenir voir machin, là. On va lui dire... ils veulent pas. Voilà. On va lui dire la vérité, hein, on va pas la cacher. On est des voleurs, on n'est pas des menteurs, ça n'a rien à voir. Donc on va lui dire, on a dit, donne l'argent. Et ils ont dit, non, on veut pas. Donc comment on fait? Il peut pas me faire un papier pour dire, là, faut donner l'argent, là? Ça serait plus simple, hein, pour moi.
En plus, je les connais pas, ces gens. On va aller le voir. Ou peut-être qu'il faut attendre un peu et revenir mettre un coup de pression, là. T'attends un petit jour, là, ou deux. Après, tu fais, tu te souviens de moi? Blaouh! Coup de tatane. Pas le temps de niaiser. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Mais c'est dans compliqué, ces quêtes-là. Y'a rien qui va. Bon, il est où, trou du cul, là? Il est. Vous avez quelque chose pour nous? Je me demandais s'il allait enfin revenir à la raison. Kirava a été parler à Talenje au Dard de l'Abeille et essayer de lui... Elga est une adepte dévouée de Dibella, et elle vénère la statue de la divine qu'elle garde au dortoir. Utilise... Ah, d'accord, là c'est mieux. En fait, ouais, bon, c'est vrai que... J'avais pas fait gaffe, mais si tu veux pas faire bagarre, il donne des indices histoire de... faire ça un peu plus... comme ça, quoi. Ich, ich. Donc on va essayer de la faire un peu plus... ich, ich. Que juste pendant sa gueule. Du coup, je suis un peu déçu. Pour une fois que je suis utilisé mes patounes, un peu déçu. Bon, reviens donc. Putain, j'hésite vraiment à essayer d'enlever Realistic Water. J'ai essayé là, deux secondes. Là, parce que si on passe du temps ici, autant que ça soit dans de bonnes conditions. Je fais une sauvegarde. Je relance le jeu. Salut. Je relance le jeu juste sans Race Equator. J'ai quand même l'impression que c'est ça qui fait pas mal ramer le truc. Donc. Si c'est bien. Comment il s'appelle? C'est Race Equator qui s'appelle? Je sais même plus. Je sais même plus. Race Equator 2. Hop, ça on l'enlève. On relance. Parce que ouais, c'est vachement plus joli, mais bon, à quel prix, quoi? À quel prix? Oh. Super, le jeu a freeze. Non, c'est bon. C'est bon. Dès que je suis sur le jeu, je vous renvoie. Allez. Allez, hop. Allez. Tu... Non, par contre, faut me laisser... Non, c'est chiant. Mais c'est chiant. C'est chiant. Allô? Ok. Oui. De toute façon, Realistic Water, à part changer l'eau, ça devrait aller normalement. Allez. 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 A mon avis, je vais pas acheter qu'un Ventirad. Le mois prochain, ça va partir sur un gros SSD de 48 milliards de terras. Comme ça, au moins, plus aucun souci. À vie. Alors, est-ce que ça lag, ça rame un peu moins ou pas? Ah ben, ça a l'air, ouais, vachement quand même, hein. Je cherche un collier. Vous en auriez un avec des grenades? Ah, c'était peut-être ça, ouais, qui faisait que... Bon, j'ai des petites chutes, mais pas autant qu'avant, du coup. Chic. Si? Ah si, peut-être que si. Je sais pas. Je sais pas, bon. Pour la prochaine, j'essaierai d'enlever un petit peu les modes... les modes inutiles et juste garder l'essentiel de trucs intéressants. Ce sera peut-être plus agréable pour tout le monde, je pense. Je les rends au marais. J'ai déjà un anneau d'or. Mais il me manque trois améthystes parfaites pour le... Je comprends. J'espère pouvoir économiser avec toutes... Je ne suis pas stupide. Une guerre... Écoutez, certainement, en revanche, ne blessez personne. Je ne pourrais le supporter. Excusez-moi, j'ai d'autres affaires à traiter. Vous n'aurez rien... Non, jamais. Mais comment... Pitié... Très bien, voici...
Ramenez ceci à Bringolf et dites-lui que je ne lui poserai plus de problème. Mais voilà, mais tout ça pour Sangold, attendez, mais... Eh les gars, faut... Hein Sangold, hein, qu'est-ce que c'est dans une vie Sangold, là hein. Allô, quoi. Hé, hey, faites attention. Ouais, mais après j'ai l'impression que Realistic Water, il a pas changé que l'eau, c'est très bizarre. Enfin, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, j'essaierai d'enlever de tout ce qui est inutile. C'est vous. Je sais qui vous... Je vous en prie, ce n'est pas nécessaire. J'ai compris le message. Tenez, j'ai la somme que vous demandez. Oh, mais d'accord. Bah, c'est bon. Bon, mais voilà. Voilà. Donc on essaiera de rendre le jeu plus fluide plutôt que plus beau. Le travail à la pêcherie de toute façon, tout le monde le connaît, le jeu. Donc au bout d'un moment... Mais non, mais ça a l'air quand même vachement plus stable. Hein. Ça aidait pas en tout cas. Même si c'était pas ça là, la cause numéro 1, ça aidait pas. Allez, on va pouvoir avancer. Hop, hop. Ce qu'il avait dit, pop, pop. Ce qu'il avait là, pop, pop. Raw sauce. Big sauce. Voyons, monsieur. Bon, j'ai fini, ça y est. Là, j'ai les golds. Vous avez fait le cacher des corps et acheter les gardes. Beau travail. Tenez, je suis sûr que ça vous sera utile. Moi, peut-être, toi. Vous avez fait peut-être. Du bon travail avec ces commerçants. Bien parlé. Je pense que vous avez plus que mérité. Qu'est-ce qui vous tracasse? Nous avons des... Vous savez quoi? Si vous n'avez plus de questions, suivez-moi. Je vais vous montrer de quoi je parle. Allez, vas-y, roule. Avec plaisir. On vous embêtera plus, c'est promis. Ah, attendez. Revenez me voir après. Bienvenue avoir parlé dans notre petite immersaire. Je suis l'une des guetteuses de. Ah mais voilà. Ouais. Je m'occupe de la. Après elle pourra nous apprendre. Vous l'aviez demandé. Dites-moi que vous avez regardé dedans avant. Allez, roule là. Du calme, mec. Allez, roule. Depuis combien de temps on se connaît? Bien sûr que oui, j'ai vérifié. Tout est dans le coffre-fort. Allez, roule. Je vais vous montrer les détails. Vous pourrez poser des questions après. Je ne veux plus rouler. Eh bien, go. C'est pas... Est-ce qu'il attend? Il attend comme s'il allait se téléporter, mais on n'est pas dans un jeu vidéo. Ah si. Ah si, si. Oh, oh c'est qui, lui? Salut toi. Ah mais c'est vrai qu'il y a un entraînement à l'archerie et tout. Oh là là. Voilà la nouvelle recrue dont je vous avais parlé. J'espère qu'elle ne fera pas perdre son temps à la guilde de Brignolf. Et du coup le fauve. Tant que nous n'allions plus. Je sais pourquoi je peux plus augmenter. Je veux que vous compreniez bien une chose. Si vous observez le règlement, vous serez riche. Ah. Si vous enfreignez le règlement, vous perdrez votre part de butin. Il n'y a pas à discuter. Vous faites ce qu'on vous dit, quand on vous le dit. Me suis-je bien fait comprendre? Me suis-je bien fait compris? Ouais, vas-y, bien. Roule. Alors je pense qu'il est temps que nous mettions notre expertise à l'épreuve. Un moment. Vous ne parlez pas de Midor, j'espère. Même notre petite Vex n'a pas pu y entrer. Vous prétendez que cette recrue a des dispositions pour notre genre de... travail. Travail. C'est le cas qu'elle le prouve. Le domaine Lumidor. Qu'est-ce qui se passe? C'est des streamers aussi? Du coup, ils ont un travail. Oh. Cependant, le propriétaire a subitement décidé de prendre les choses en main et de nous en écarter. Bellicœur. Il va falloir lui donner une leçon. Bellicœur. Brignolf vous donnera les détails. Bellicœur. Mercer. Je peux boire? N'oubliez pas quelque chose. Oh, oui. Puisque Brignolf m'assure que vous ne nous apporterez que des bonnes choses, alors top et là. Donne un équipement, oui. Bienvenue dans la famille, l'ami. J'attends de vous que vous nous rapportez. Facile. Vous devriez... Oh. Et parler à Tonilia à la cruche. Le domaine, nous voulons que vous lui donniez une bonne leçon. Le truc, le client important dont a parlé Mercer, ce n'est pas comme... Sans leur soutien, nous aurons... Ma veine prête. La guilde... Vas-y, roule. Ça marche. Le domaine est du jour. Alors on a envoyé Vex sur place et on a découvert... Tout juste. En fait, Vex s'en est sorti de justesse.
Elles sont Et puis quoi de mieux qu'une énorme colle? Une seule. Si on brûle toutes les ruches, elle devra faire venir du miel. On avait conclu. Si les ouvres. En retour, je vais vous expliquer. C'est de faire un maximum de trucs comme ça au moins. Voilà. Il lui suffit d'un mot pour que vous passiez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Lui, il fait quoi? J'espère que c'est important. Je suis débordé. Je me demande bien pourquoi vous perdez votre temps à me poser la question alors que vous devriez déjà être... Oh là là, il est pète couille, lui. Prenez une... Quand j'ai commencé, je ne m'intéresse... Bon, grâce à mon aptitude, c'est quand... Généralement, quoi qu'il en soit, il s'agit de... Disons, j'ai bien fait des boulots pour la guide. La dernière... Après ça... Intéressant. Je me suis... À vrai dire, je n'en sais... Tu es... Je connaissais Delvin. Je lui ai demandé si je pouvais... Ah, mais je pensais qu'il apprenait des trucs, lui. Et voilà. Il apprend rien, là. Hey. Parlons un peu. Un pickpocket ? On a choisi la voie du crime, hein. Mm-hmm. Je vais vous apprendre. Ah, ouais. Vas-y. Ah bah. Ah, mais je suis déjà 5 sur 5, oh là là. Et où ? Vous avez une minute ? J'aurai deux. Mon père, tout ce qu'il a trouvé dans mes poches, personne ne le sait. La moindre pièce gagnée auprès de... C'est possible, mais si ce n'est pas le cas... Si justement... Bon, on s'en tape, hein. Allez, hop, hop, hop. Du coup, ici, c'est bon. Ben, on va revenir voir, ouais, Vex, hein. Ah, lui, là, c'est qui, lui? Eh, c'est qui, toi? Hé, hé, je veux vous parler. Maintenant. Votre force... Je les ai rejoints, il y a... Un petit clan. Ne vous méprenez. Je pouvais manger et boire à volonté. Un printemps. Ils n'ont pas... Ensuite... T'as les pieds dans l'eau, là. Tu feras attention. Nous... Non, heureusement, je mets... Nous nous sommes entretués. Ouais, bon, hein. Voilà. Allez. Allez, salut. Ah. Approchez un instant. Allez, voilà. Je vais vous montrer ce que je sais. Ouais, bon, là, voilà. Après, je suis à 5 sur 5 aussi. Malheureusement. Oh là, oh là là. Ah oui. Ah, c'est bien ça, on peut s'entraîner. Super. Mais, Non, comment on retourne en haut? Sous le passage. Voilà. Porte nécessite une clé. Ah. Ah, bord de ciel, ça c'est le... C'est le passage secret. Non, moi je veux revenir à la taverne. Voilà. Aïe. Ça y est, j'ai trop... Ouais. Y a rien d'autre sinon ici? Bon, je vais pas voler mon propre clan, ça serait con. Croyez-moi que j'en ai envie, mais ce serait complètement con. Avant de commencer... Hein ? Hein ? Vous me suivez, et vous faites exactement ce que je dis. Je vous aime bien. Je pense que... Bon, il est temps de vous mettre dans... Je vous le dis tout de suite. Les choses vont... Qui sait ? Si vous voulez mon avis... Allez, roule ! On est là pour voler des trucs, on n'est pas là pour blablater, là. C'est bon. Dans les poches. Plutôt intéressant, non ? Ah, voilà, lockpicking. D'accord, mais si vous vous faites arrêter, j'y suis pas. Ah, mais je suis déjà maître. J'ai déjà effectué toutes mes formations. Bon, ben tant pis, hein. Bah allez, on va aller voler. Enfin, on va aller faire le truc. Tu me laisses monter, là? Bon. Les escaliers, d'accord, mais si je voulais monter comme ça, moi. C'est fou, ça. Le jeu, il te dicte ses lois, là? Non. Non. Hop. Alors du coup, c'est juste là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Brûler trois ruches, vider le coffre. On va aller TP là. Ah. Y'a un des deux objectifs facultatif ou pas, tiens? Je suis pas posé la question. Ah. Peut-être que vider le coffre, c'est facultatif, pardon. Mais on va quand même le faire. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ça, je l'ai fait. Eh, mais je l'ai fait, ça. Oh. Ah, et les deux, faut les faire. Les deux, faut les faire. On va déjà aller brûler les ruches. Mais ça va, en fait, l'eau, elle est pas dégueu. Je m'attendais vraiment à voir une bouille de pixels ultra moche, mais ça va. Comment je monte là?
Faut pas qu'ils me voient eux ou ça va? Parce qu'en soi, moi je fais juste des longueurs dans le lac. Pas forcément en train de voler ou de venir brûler des ruches, par exemple. Je dis ça vraiment en tout exemple. Pas forcément mon idée principale, ce que je veux dire. Hop, voilà. Ah, il faut que du coup, flamme. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Ah oui, là ils sont tous en train de péter un boulon. Moi je vais pouvoir passer en discrétion. Ils m'ont pas vu quand même. Si ! Ça fait beaucoup là, non ? Putain, j'ai pas pris le perks en plus pour dire qu'il me cherche plus. Voilà, il se calme bien, c'est tout. Occupez-vous de vos ruches là. Non mais oh, c'est quoi ça? Obtenez la clé du coffre. Mais sinon, je le viole, le coffre. Bah les couilles, moi. Bah les couilles, frère. Bien, je suis là. Trop drôle ce jeu là. Je sais pas s'il y a autre chose à récupérer dans la baraka que. Ah, peut-être. Bon, si c'est 5 pièces à chaque fois, croyez-moi bien qu'on va pas se faire chier. Hein. C'est moi qui vous le dis, ça. Level 69. Le Mao. Ah oui, il y a des gens là-bas. Oui, Mathieu. C'était peut-être un poil abusé, peut-être. C'est vrai. Non, tu m'as pas vu. C'est le chat. Il est où ? Bah. Il est là. C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah oui, mais carrément quoi ! Je suis vraiment... Non, j'ai trop de... J'ai vraiment trop de... Ouais, c'est chaud là quand même. Là, ça se voit un peu quand même. Y'a quoi là-bas? Un coffre caché? Pas du tout. Ça se voit que je suis un peu pissant pour le jeu peut-être.
Bonjour monsieur. Ah. Déjà ça me gratte. Je lui vole juste pour lui voler là. Bah là c'est moi. Je suis là, je suis devant toi en fait. J'ai pas de... j'essaie même pas de me cacher en fait, hein. J'avance. Bon, on verra plus tard les points. Passer en pleine quête, c'est ridicule. Là, elle est grande leur baraque là. C'est à acheter? Ça peut s'acheter votre baraque là? Ça m'intéresse. Un petit pied à terre près du lac là. Expert. Ok. Est-ce qu'on peut passer 70 sur ce coffre ou pas du tout? Non, on peut pas. Ok, ben voilà. On va où là? Ah, et toujours plus. Hop, roulade. Ouais, c'est juste un passage secret. Là, il y a quand même des trucs, hein. Aïe! Ah putain, il était derrière. Le con. Il y a quand même des trucs, hein. Moi, je suis curieux à chaque fois. Hein. Là, à part des rails, il n'y a pas grand-chose, mais... Ah! Allez! Quand même. Putain, mais c'est la fête! Oulala. Aïe 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 aïe. Allez, plus que 600 crochets. Ah, quand même, hein. Quand même, hein. C'est normal, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes fougue. Ça va pas bien, hein. Bon, mais ok. Comme ça, moi, s'il restait des rats, là, ça devrait aller. J'ai envie de dire. Ah non. C'est juste un raccourci, en fait, je suis sûr. Je suis quasi sûr qu'on revient à Solitude, là. Non? Je sais pas où on va, mon livre. Attention. Attention. Ok. Et on peut y... Ah ouais, on peut y revenir. Du coup, c'est bon, j'ai fini la quête, là. On tourne vers Brignolf. Ouais, ouais. Pourquoi il n'y a pas des ennemis à proximité? Tout de suite, des ennemis. C'est juste des gens qui comprennent pas ma façon de penser, c'est tout. De là, les appeler des ennemis... Eh, non? Mais il n'y a pas des ennemis, là. Ils sont où? Ils me courent même pas après. Il se fout vraiment de ma gueule, le jeu. Se fout vraiment de ma gueule. Parce qu'à ce compte-là, là, il y en a des ennemis. Ah bah oui, bah là, forcément. Oh là là, mais il se fout de moi. Hein. Jeu de con. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Là, là, je suis au milieu de rien. Là, il va pas me dire que là, pardon. Que là, il y a des ennemis. Ah, comme eux-mêmes. Putain, qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir raison, ce jeu de con? Je sais plus combien il y a de quêtes.
un truc des voleurs. Je me rappelle plus si c'est long ou pas. Je me rappelle de ça et de... du fait qu'il faut falsifier des trucs aussi. Après, je m'en souviens plus trop. Du coup, mais je sais plus du coup où est-ce qu'il est le passage secret, moi. Où est-ce qu'il est exactement? Il semblait qu'il était par là, mais peut-être pas. Et non, ça rame toujours autant. Casse-couille ça, mais bon. Au secours. C'est qui là? C'est qui que vous... Qui est là? Il se passe quoi là? Pourquoi il y a une guerre civile là? À cause de ça là? Voilà, c'est tout. Je veux dire, faut... Vous prenez peut-être ça un peu trop à cœur, là. Non? Moi, je trouve que c'est, ça a quand même pris des proportions pas possibles juste pour un pecno. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, y a pas de soucis, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même... on sent que ça vous a touché, là. Hein. Peut-être se remettre en question, aussi, un jour. Alors... Bon, faudra que je regarde où est-ce qu'il mène, hein, le passage secret, pour essayer de gagner un peu de temps. C'est pas mal. À chaque fois, si je dois faire les allers-retours comme ça, j'ai pas fini. Du coup, je peux quand même lui finir de lui parler? Vous voulez quel... Je m'occupe. Si ce genre de choses ne vous intéresse pas, parlez à Delvin. Il s'occupe des boulots plus directs. Vous saviez... C'est comme s'il nous mettait au défi de venir. Il y a bien... C'est comme ça que je me suis assurée. Il n'était pas gardé et ça a pas... Je n'en avais pas vu de ce genre. Non. La pierre a été arrachée à la couronne. C'est... Je crois qu'il y en a... Certains membres de la guilde sont... Écoutez, ça, c'est pour les Barenzia, non? Je vais vous dire. Si vous trouvez les autres pierres, revenez me voir. Sinon, gardez celle-là. Elle vous portera peut-être... Vous plaisantez. Et quand l'or... On avait tout. Notre seule chance de retrouver... Avant... Si on arrive... 24, ouais, bah, c'est qu'on aura tellement d'argent à dépenser qu'on pourra recommencer à vivre dans l'opulence. Pas que ça à foutre. Ah, attendez, au niveau des quêtes, là. Ah. Ah, en fait, j'ai fait le contraire. Ah, d'accord. Moi, je suis rentré par la porte, en fait. Il y avait une porte d'entrée, comme Sus nommé. Et ben, je suis entré par la porte, en fait. Voilà. Il ne sait pas à quel. Non. Seulement le parchemin. Ça vous va pas? Mais pour l'instant, allez parler à. N'ayez pas l'air si enthousiaste. C'est entre mains. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Continuez à nous rendre service et vous en aurez encore. Vous êtes bête. Ok. À la prochaine fois. Tonilia. Ah, j'ai mon armure, mais attendez. Ah, mais Tonilia, elle est de l'autre côté. Oh. Oh. Ah, ben. Oh. Eh, parce qu'il y a une armure. Attendez, il y a une armure, les gars. Oh, 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 oh. Eh, on parle pas de. Hein? On parle d'une armure, hein, quand même. Hein. Eh, dis-vous, c'est toi, Tonilia, non? Alors, c'est vous là? Bien, on dirait que nous allons. Je suis... Je peux aussi vous fournir... Je peux demander... Écoutez, mais vous comprendrez vite que... Bien, voilà votre armure. Tâchez d'en faire bon usage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Guilde des voleurs, lockpicking. On s'en tape. Voilà, non mais... Clairement. Pickpocket. À la limite, mais bon, on s'en tape un peu en vrai, quand même. Quand même. Ah oui, si, ça, à la limite, ouais.
un petit peu plus de capacité parce que un gold par heure, bon. Et le masque, il est quand même mieux parce que Price a 20% better. Là, c'est 10% better. Voilà, voilà. Mm-hmm. Hein. Et c'est à elle qu'on peut. Si vous cherchez du travail, j'ai de l'or et des marchandises. Nous allons pas acheter ça. Un arrangement. Super. Non, mais super. Par contre, ouais, les trucs volés là. Hein, les trucs volés. Quoi? Ouais, mais si elle a pas d'or aussi, bon les gars. Oh, faudrait peut-être, je sais pas. Ah, mais elle a vraiment pas d'or en fait. Super. Super. Oh, le panier. J'avais volé un panier. À la prochaine. Ouais. Faut qu'on aille désenchanter tout un tas de trucs aussi. Et sinon, le vendre. C'est bon. Oh, mais encore ? Qu'est-ce qui se passe cette fois ? Non, c'est bon. C'est bon ou c'est pas bon ? Ça va. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Ma veine ronce noire. Où qu'elle est. Où qu'elle est, elle est là. Si vous avez de l'or, vous êtes arrivé à bon port. Asseyez-vous. C'est laquelle? Elle est en haut. Allez. Ah, mais elle doit pioncer. N'en laissez pas une doute, mon garçon. Ah, c'est donc vous. C'est... Comprenez-moi. Brignolf, foi, tout ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Je l'espère, je veux aussi savoir comment il... Allez à la jument pavoisée à Blanche Rive et trouvez Malus Matius. Il vous donnera tous les détails. Pourquoi il gueule en bas, là? Par contre, là, il y a du monde. Là, je pourrais perform. Attendez. Oui, père. Il y a de la damoiselle ici ou pas? Oh, non. Non, ça, monsieur. Mon ami. Partie de pêche, ça vous dirait? Allez, c'est parti! Je ne sais pas, Molly. Ça devient... Augmenter un peu le speech, gagner 3 pièces d'or et demi, voir une gemme insignifiante vide. Ce n'est pas drôle, Molly. Les gens ont peur. Il y a une qui est contente en tout cas. Hein. J'ai tapé mon plus beau fa dièse là. Ce casque me hante la nuit, vraiment. Hop. Ah quand même, 189 gold. Eh, hey, c'est mieux là. Ah, ça commence à être intéressant. Pas plus mal. Bon, alors ce qu'on va faire. Est-ce que... Déjà, faudrait que... J'allais voir ma ferme et ma mine. J'allais désenchanter quelques trucs. Et sinon, j'allais vendre tout ça à Solitude. Parce que je commence à être vraiment plein de merdier sur moi. Donc ça sert à rien que je garde tout ça. Et j'avais dit à la mine qu'ils stockent pas, et là, c'est ça. J'avais dit qu'ils stockent un petit peu tout ce qu'ils arrivent à trouver. Donc on va voir si ça a marché ou non. Voilà. Or available. Parce que là, l'argent, bon... Pardon, ce serait intéressant pour le manoir au-dessus de la ferme, mais à part ça... C'est plus une priorité, pas autant qu'avant, en tout cas. Sûrement pas autant qu'avant, vu qu'on est à fond, maintenant. Allez, la mine, paf.
Je vais surtout aller voir au niveau de l'enchanteur. Enfin, il n'y a pas d'enchanteur, donc. On appelle le bâtiment où on fait des enchantements. C'est ça la question. Ah, même ici, ça rame un peu moins, j'ai l'impression, avec l'eau. C'est peut-être pas une mauvaise idée de les installer, le mode. Finalement. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Ça, c'est vide, par exemple. Ça, c'est vide. Là, par contre, là, ça y va. Oh là là! Ah oui, non, mais il y a des trucs, laisse tomber, quoi. Bon. Ah oui! Je sais même pas si niveau thune, en fait, vaut mieux pas ça directement. Mais il n'y a plus rien d'enchanté, donc franchement... Franchement, je comprends pas trop, mais bon. Alors ça, on s'en fout. Ça, c'est ce qu'on utilise, donc on va le garder. Ça, on l'utilise aussi, me semble. Renfort d'alchimie, ça. Hop. Gant de pugiliste, on s'en fout. Ring of Dagger, il me semble qu'on l'utilise. Et ça, on ne l'utilise. Oh. Donc tout le reste, on peut vendre. Je vais quand même faire correctement le tri. Voilà, genre ça, on garde. Après, ça en vrai, ça on peut se permettre de le vendre, je pense. Ça, c'est ok, quoi. Sneak attack, tac. Ça, on peut vendre. Couronne d'archerie. Ouais, ça, c'est la place de... Ouais, tant pis. Ça, on s'en fout. Ça, on garde. Ça, on garde. Ouais, et tout le reste, à part le Bard's Lute, que j'ai aussi, machin. Et tout le reste, on peut le vendre. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va aller faire ça à Solitude. Ce sera plus simple. Voir jusqu'à Blancherive s'ils ont pas assez de fonds. Parce que là, à mon avis, on va commencer à palper quelques deniers. Hein, si vous voulez ce que je veux dire. Ça a commencé un petit peu à générer de la moula, comme ils disent, hein, les jeunes. Je sais pas ce qu'on va en faire de tout ce fric, hein, mais... Non, je sais pas si j'ai tant que ça. Hein. Bon. Par contre, là, faut que je commence à penser que si j'ai besoin de matériaux, que j'aille à la mine avant d'acheter quoi que ce soit. C'est pas mal. Bien le bonjour. Des babioles, des petites choses. Oui, ça, je l'ai pas favorite. Faut que je favorite. Voilà. 12 000. Ouais, dans les 4 000, je vais me faire. Ça va, ça va. Attendez un peu plus, hein, je vous avoue. Ça, par contre, je peux rien en faire. Je peux pas le machin, je peux pas le truc. Hop, on le lâche. On le lâche. Ça, après, c'est des poisons et tout, donc ça, on peut garder. De toute façon, ouais, le poids, c'est pas... Le poids, c'est moins un souci qu'avant, quand même. Donc bon. Ok, je croyais qu'il voulait me parler. Par contre... J'ai rien à smelter, là, tant qu'on y est. Non. Par contre, je dois pouvoir améliorer... Il est déjà parfait, mais ça m'avait pas dit que je pouvais améliorer encore... Peut-être que là je peux pas parce que c'est pas à moi, j'en sais rien. Les impériaux, vous voulez vous protéger, je vais quand même voir ce qu'il a comme arme et tout ça. Mais il a encore ça lui? Je l'ai vendu il y a tellement longtemps. Et il a encore ça. Non, d'accord. On va aller voir le Fletcher directement. Me voir si vous avez peut-être plus péremptoire. Ah. Bonjour et bienvenue, Kama. Bonjour. Et c'est vrai qu'il me faudrait des flèches, par contre. Oh, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Le mieux qu'il est, c'est Arc d'Ébonite, de toute manière. Je sais pas si j'aurais mieux avant un petit moment quand même. Hein.
35 de dégâts, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Qu'est-ce que j'ai niveau flèche là? Flèche Joémeur. Les flèches elfiques, je peux commencer à les dégager peut-être. Flèche d'acier aussi. On peut lui vendre. Un archer, hein? Oh, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà, je garde Dwemer et flèche de verre. Picax. Ah, elle pèse lourd quand même, hein. Je peux limite la vendre en vrai, ça. Pas tellement besoin. Ouais. N'hésitez pas à revenir si vous avez. Ouais, ah, d'accord. Super. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'était quoi la quête? Ah oui, il fallait que j'aille à Blanche Rive. Je suis passé par mes trucs. Ouais, bah go Blanche Rive. Par contre, pourquoi il n'y a pas le... J'ai toujours ton domaine. Bah, la mine, j'ai fini de l'upgrade à fond. Donc maintenant, il me rapporte des matériaux. La ferme, pareil. Faut juste que... Ici, faut juste que je dépense de l'argent pour... pour aménager le manoir, on va dire, mais vu que ça coûte vraiment cher, c'est plus la priorité. Et la maison, l'autre maison que j'avais commencé à faire, ben, elle ne sert plus à rien en soi. Vu que j'ai tout ce qu'il y avait dedans ailleurs. Je sais pas si je peux la... Non, je pense pas que je puisse la revendre. Mais là, de toute manière, ouais, j'ai pas autre chose à faire de ce côté-là. Et il n'y a pas d'autre mode dans le genre. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, à part ça. Ouais. Alors pourquoi les écuries? Pourquoi il m'a amené aux écuries? Pourquoi je voulais pas aller à Blanche Rive directement? Oh. Fou, quoi. Ouais. Il est fou. Alors, Malus, mon cul, il est où déjà? Apparemment, il est là. J'ai les doigts de pied qui grattent. Dites-moi ce que vous voulez, ou asseyez-vous près du feu et je vous en... Non, c'est lui que je cherche. C'est possible. Je vais faire... Sabjorn, le propriétaire. Toute la ville sait que l'hydro... Vous, il vous donnera le poison à... Mavet. Maintenant, allez là-bas avant que Sabjorn n'engage quelqu'un d'autre. Les deux bâtiments... Il y a une... J'ai déjà enlevé une partie... Ah ouais, c'est chiant, ça. Sabjorn la garde fermée. Mais si vous pensez pouvoir passer par là, n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, cette quête, en vrai. Ouais, bon. Ah, plus vite on l'aura fini, plus vite on sera débarrassé. Ouais, c'est vrai. Ça dure longtemps, c'est chiant, parce que c'est pas... C'est pas super intéressant en plus comme quête. Y a rien de... Y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous plaisantez? Je suis sans... S'il voit l'hydromellerie dans cette... Ah, vraiment. J'espère que vous n'espérez plus pas... Plus c'est un truc à choper, là. Ce n'est pas comme ça que je travaille. D'accord. Voici la moitié. Tout ce que je vous demande, c'est d'élire... J'ai acheté... Si vous glissez ceci dans le... Ne revenez pas avant que toutes ces bestioles ne soient mortes. Ouais, super. Par contre, il est où le container, là? Faites attention! Ferme-la. Ferme-la. Il doit être à l'étage, sûrement. Ah! On est dans le coin. D'accord. Attendez, on va quand même sneaker au cas où. Allez, bientôt niveau 70. Paf, voilà. Clac. Ah, pas tellement. Pas tellement. Pop, ça c'est plein donc ça m'arrange. Ouais. Alors on a quoi à 70 de...
Non, c'était pas Sneak, c'était Lockpicking. Ok, donc ça c'est 40, et ça tout là-haut c'est combien? C'est 100. Bon, comme ça au moins, voilà. Ça c'est combien? C'est 40 aussi... 60... 60... 90... On a rien à 70 en fait. 80... 70... Si, il y a ça, mais c'est de la merde. Ouais, non, c'est pas... On s'en tape en fait, on s'en tape complètement. Ouais, donc à 70, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon. Ok, allez, on va faire la quête. Après, il y a un truc qui me dit de partir en bas et... Ouais. C'est vraiment perturbant. Allez, voilà. Là, il va y avoir quelques bestioles. Genre... Je préfère. Par contre, faut mourir, en fait. Voilà, merci. Faut mourir, parce que sinon, c'est chiant. Faut que je pense à récupérer mes flèches aussi, oh là là. Je peux pas avoir flèches illimitées comme, comme dans Minecraft. Par contre, ouais, s'ils peuvent arrêter de bugger, ça serait pas mal aussi. Ça serait plutôt pas mal. Putain, mais rendez-moi mes flèches par contre, hein. Ça va chier. Oh là là. Et où? Hop, roulade. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es nul, hop, 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 c'est bon. Allez, on se calme. Ah voilà, les araignées, ça rend les flèches. Alors que les vieux rats d'égout là. Il y a des pièges un peu partout, il me semble. Ça va, ça va. C'est une égratignure. Ah, c'est sûr que c'est pas... Là, c'est pas The Witcher, hein, niveau des... au niveau des combats. Hein. Et encore que, visiblement, The Witcher, c'est pas non plus... Pas non plus, à fait. C'est quoi, ça? Il y a un passage secret, là. Et il est sorti 5 ans avant, aussi. Ouais, mais le premier, c'est normal, c'était pas... Bah déjà c'est leur premier jeu et le système se reposait sur je ne sais plus quelle idée de faire... Enfin c'était plus un espèce de jeu de stratégie temps réel plutôt qu'un vrai RPG, un vrai action RPG on va dire. Mais le premier ouais, soit tu joues pour l'histoire, soit tu joues pas parce que niveau gameplay, y a rien d'intéressant. Il faut monter là-haut. Ah
Ah mais bon courage hein, parce que... J'ai zé les trois, hein, mais j'ai lancé le premier, je me suis dit mais c'est de la merde. Du coup j'ai jamais lancé le 2 parce que c'est pareil. Et le 3... Vu que je m'en fous de l'histoire moi... Si le gameplay il suit pas... Vu que le gameplay suit pas... Hop! J'ai pas la clé! Ah! C'est bon, j'ai la clé! Y a-t-il... Il était temps! J'ai dû faire pas... Vous devrez attendre que le capitaine ait fini. Vous pouvez attendre ici si vous y tenez vraiment. Ah, j'aime le. Putain, vas-y, je peux même pas le voler. Il est occupé, justement. Ah, Bjorn, maintenant que vous êtes débarrassé de vos nuisibles, si nous buvions un peu de votre hydromel. Faites ouais, super. Vous, Milord. C'est mon meilleur breuvage. Je l'appelle la cuvée spéciale d'Hydroning. Je pense que vous la trouverez fort agréable au palais. Mmh. Oh, arrêtez, c'est de l'hydromel, pas un vin qu'il faut déguster à petite gorgée. Et il va crever. Parlez vite, qu'y a-t-il là-dedans? Je l'ignore. Que se passe-t-il? Vous m'aviez assuré que cet endroit était sans danger. Je veillerai à ce qu'on vous mette les fers jusqu'à la fin de vos jours. Bim, allez en prison. Non, pitié, je ne comprends pas. Silence, idiot. Jamais je n'aurais eu... Ambush Predator active. L'endroit est devenu une porcherie. Je vous en supplie. Pitié. Ce n'est pas ce que vous croyez. Oula. Vous, prenez les commandes pendant que je règle cette histoire. J'en serai ravi. Et vous, vous me suivez à Fort Dragon. La mémoire tiens, chef. De vous revenir dans les prisons de la ville. Avancez. Je vais te couper la tête. Je vous assure que c'est un terrible malentendu. Allez ! Mais pourquoi faites-vous cela ? Hop, tiens le gâteau là, paf ! Mon gâteau de merde là. Paf, paf, allez hop, regarde, je marche sur la table, on me bat les couilles moi. Suffire. Ça note. Vous avez besoin de quelque chose avant. Alors comme. Pas de problème. Tenez, ça devrait vous aider. N'oubliez pas de parler moi, oh. Maven. Ah, c'est lent. Faites attention. Hop. Et voilà. Voilà, du coup c'était assez long et assez chiant, pour pas grand chose. On a tué des ragnars et des araignées, super. Super intéressant. Riften peut-être plutôt. Riften! Voilà. Bon, je pense que je vais pas tarder à arrêter, parce qu'en fait là j'ai le dos mon compote, donc faut que j'aille faire autre chose. Faut que je me lève. Faut que je fasse autre chose. Oh putain, il pleut quoi. Super. Ah mais là, les FPS, ils sont partis. On va jouer en mode diaporama. Si vous avez de l'or, vous êtes arrivé à bon. Asseyez-vous. Je crois que ça ne m'apprend pas grand-chose. Eh bien, vous devriez... Il y a aussi la question de votre récompense. Je pense que vous trouvez... C'est quoi ça qui me file ? C'est de la merde ! Putain, mais c'est vraiment une guilde que tu fais au tout début, quoi. Il te donne rien d'intéressant, à part quelques habits, si t'as pas déjà. Quelques habits qui t'aident un petit peu à practice tes compés, mais sinon, putain, quelle honte. Et du coup, c'est... Vous cherchez. Ah, d'accord. Ouais, un message. Je crois que c'est bon. On doit y aller. Ok, super. C'est où qu'il est arrivé du coup le passage secret? Je me rappelle même plus. On l'avait bien pris.
C'était où du coup? Ah oui, si, c'est bon. Il était derrière, je sais pas où. Non, c'est devant. Ah si. C'est vrai qu'il y a la petite indication, parce que sinon. Bébé. Pourquoi? Mais... Quand même. Je suis pas si grand, je suis un chat. Il est où? Où es-tu? Il est là. Hop! Il peut pas me tirer dessus du coup. Putain mais c'est scripté ça? Wow! Fais gaffe! Genre là si j'attends là il va attendre comme ça 8 ans. Mais quel bâtard! Putain il peut pas me tirer dessus. Exactement. Maven nous a informé que vous aviez... Alors ce n'est pas... Quelqu'un essaie de nous éliminer. Mercer, je ne traînerais pas si j'étais vous. Je ne l'ai jamais vu en colère à ce point. Allez, on va avancer jusqu'à qu'on nous dise vas-y, va faire ci. Ah, j'ai consulté. Et comme ça, on s'arrêtera là. On dirait que notre adversaire est. Ils sont bien. Ne prenez pas mon admiration, car même le parche. Son vrai nom est Gulumé. Je pas. Allez-y, bousculez-le. Et voyez ce que vous pouvez obtenir. Si vous avez des questions avant de partir, allez voir Brignoles. Ok, et bien voilà, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Hop, hop, hop. Voilà. Et du coup, ainsi s'achève encore une semaine de stream bien remplie. À part pour jeudi, évidemment, mais c'était férié. Le café. Ben, c'est bon, je l'ai bu le café, moi. Je l'ai bu. Du coup, ben merci. Bon week-end, on se retrouvera lundi, on verra ce qu'on fait. On va peut-être essayer de calmer un petit peu Skyrim, mais plutôt se repartir sur Tales of, voire faire un petit peu de Isaac plus régulièrement. On verra bien. Putain, Legend of Keepers aussi, il faut que je finisse ce putain de run. Trop de choses à faire, j'ai pas le temps. Voilà. Allez, des bisous. Merci, bonne journée, et mais bon week-end. Hein.